On remercie la poule noire d'avoir offert le jeu cette semaine. Interaction, ouvrir son sac. Pause, interaction. Ah, et le bouton principal. Fouiller dans son sac. Répondre à des questions, fatal, c'est jeudi uniquement. Bonjour, ma belle! Buck. Buck. C'est le petit déj. Buck, buck. Magnifique. Si Michel-Ange eût peint un œuf, il aurait déchiré sa toile devant une telle perfection. Tu entends les carottes? La citrouille ici. La soupe à la courge, ma préférée. Mon truc, c'est de faire revenir les courges dans un fond avant d'ajouter l'eau. Ça développe les arômes, tu vois. Et puis, il faut que l'ail, beaucoup d'ail. Okay, mais ça a décliqué aussi vite. Une petite douche! Y a une autre porte là-bas. Allons voir à l'extérieur qu'est-ce qui se passe. Le vent est saillant et le ciel mauvais. Ma poulette. Ça sent l'orage, vaut mieux s'y mettre. Au boulot! Oh. Commencer maintenant n'est pas très prudent. Ma hache solide, digne de confiance. On trouve la musique. Une carotte qui tombe à pic, on peut lancer la bête déposant le dans le vaporisateur. TFR. Le lapin arboricole fournit une puissance de 3 carottes watt-heure. Avec ça, il devrait tenir la journée. Oh, le lapin qui quoi prend une carotte? Maintenant, on peut bosser. Depuis à sec, depuis bien longtemps, hélas. Ah, une autre carotte. J'adore ce genre de jeu, moi, là. Il est arrivé à point, en plus. J'ai terminé le point and click hier. Oh, j'ai eu ça quand je clique. Ça joue trop vite.
Ton accent English est nul. Quel accent English? Comment ça va, Crudeur Cello? La 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 la. Matt s'est informé, il semblerait que c'est leur premier jeu. Ah, tiens! Et tu vois, Pépette, la clé d'une courge bien faite, c'est d'abord l'amour de la terre. Ça va bien, merci. Oh! On suit rien de plus simple. Tu déposes les grains, tu arroses. Et si le cœur t'en dit, tu lui murmures des mots doux. On n'est pas des bêtes. Je n'avais, oui. Maintenant, Pépette, on attend. On attend que le temps fasse son œuvre. Que la magie opère. On regarde l'horizon, l'œil sévère, le truffe. Au vent, la respiration profonde. Et on prend conscience qu'on n'est que des hommes pépettes. Parce que, tu vois, le temps passe, on maîtrise l'espace. On installe une routine, finalement on oublie. En somme, on devient un vieux con. On devient un Charlie Nini. Prendre de... le melon, c'est fragile, mais une courge... ça se mérite. La 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 la. Wow! Il va me rendre dingo celui-là, pas de vaporisateur, bon sang. Viens, Pépette. Il faut absolument s'occuper... c'est ça qu'ils ne reviennent. Il faut vite que je bricole ça, le temps que je devrais pouvoir retaper une structure avec du bois. Et là, ma hache. Hey, le lapin, il a la carotte explosée, puis le lapin, je sais pas ce qu'il a été. Comment c'est maintenant, on n'est pas très prudent. Hey, il y a du bois là-bas. Du hêtre, du chêne. Qui connaît du bois? Le hêtre, je connais pas ça. Un P, c'est un B. On essaie avec du chêne. Ok, réflexion faite. Je préfère l'autre. Bon, finalement, il a pris l'autre. Tout ça pour finalement prendre l'autre. Bon. Bon, ça devrait tenir. Mais il faut encore que... de quoi pour lubrifier la roue. Le feu l'a brûlé. Grouillons-nous, ils vont revenir. Ben, lubrifier, on va prendre courge, hein? Un œuf. Bon, marche pas. Son jus de courge, peut-être? Eh bien, bon, j'ai pogné ça, et bien, ça sent pas meilleur pour autant. Mais ça reste de l'huile. Éloigne-toi, ma grande, ça frise les poils du pif. Pour répondre à ta question sur Twitch, j'ai plus de followers que toi, pour sûr. Bon, mais le lapin est où, maintenant? Oh, le lapin! La fumée! Ça tourne par an! Ne me dis pas que... le Rasidium, il est foutu! Il arrive! À terre, Pépette!
Ah, les bibites. Très, très. Bouc, bouc. On ne peut pas vaincre comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il est enragé. Comment ça, Bouc? Ton vaporiseur ionique? Les moussillons vont bouffer toutes les courges. Pourquoi crois-tu qu'elles sont aussi rares par ici? C'est la règne de la terreur, Pépette. Un grand massacre orchestré par les tambours de la violence. Le résidium, c'est la clé. Le cœur de ma machine. Un métal très rare. Seule son essence est capable de tenir les mouchis à distance. Est-ce qu'il nous faut? Voyons. Si on n'en récupère pas très vite, les courges vont disparaître. Et un monde sans courges, Pépette, c'est le chaos. Bock, les ancêtres. On peut pas aller dehors, bon. Ah, grand-mère! Oh, grand-mère, prête-moi ta force au naturel. Oh, grand-père, enseigne-moi ta séduction légendaire. Oh, vieux schnock! J'en appelle à ta clémence. J'en appelle à ton nez fin. À tes sourcils fabuleux. J'ai besoin du fier métal de la forge comme bouclier pour accomplir notre destin en sauvant la courge du malin. Bon, je commence très bien cet échec, mais bien qu'un peu rude, je me défends d'être vulgaire. Oh, une feuille! Oh, regarde ça, c'était planqué derrière le cadre. Ah, tu vois ce que je t'avais dit, ces vieux dragons ne nous ont pas laissé tomber à l'espoir. Aussitôt mort qu'on le voit pointer le bout de son nez, Pépette, le genre de phénix en somme. RDV, coiffeur, mardi 18h. Je crois que le phénix vient de nous reclaquer dans les doigts, ma belle. Mais foi Edgar, on ne veut pas lâcher. C'est clairement un signe. On se tire, Pépette, direction Boulzac. Direction Boulzac! Allez, ma petite Pépette. Alias Charlie Nini. Ça, c'est moi et ça, c'est Charlie Nini. On prend notre douche. Et on s'en va à Boulzac. La 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 la. Je remarche. Direction, on prend le Jenny. Nage, nage, nage. Bonjour monsieur. À mort? Qu'est-ce qu'elle me veut, la passoire? Dis-moi, t'as l'air joueur, toi, hein? Parier le peu de chicotte qui te reste dans une passoire, ça relève presque de l'héroïsme. T'aimes bien, toi, tu restes pêché? Autant que j'ai rien contre un peu de sport. Rien à faire, mais la prochaine fois, je prends le matériel. Parlons bien, tu veux, où je pourrais trouver du razidium dans le coin? Razi quoi? Du résidium, bonhomme, ça me dit rien ton truc. En même temps, je suis sobre depuis à peine une heure. Laisse-moi le temps de refroidir ma soupière, peut-être que ça me reviendra. En attendant, tu devrais... Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, pas regarde-moi. Plus que moi. Ah oui, si tu veux m'apporter un verre général, ça m'aide. Sweeter K, welcome to my channel, my friend. Take your place, little commie. Bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir ton follow. Oh yeah! Ne pas frapper le chat à la clé. Quoi ça? Ok.
il faut le... vraiment l'attirer avec quelque chose. Bonjour monsieur, je cherche du résidium, c'est pour... Savais-tu que les moules... Que la moule d'eau douce pouvait vivre pendant 150 ans? Ben, c'est-à-dire que je m'en fous, je voulais juste... Une moule 150 ans, 150 ans à moisir dans un ruisseau, ça me dépasse, franchement. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien foutre? Ouais, c'est tout abonnement incroyable, et donc, à propos de mon résidium, y a rien que la vieille Marguerite qui peut dépasser un âge pareil, et qui a déjà tout vu. Elle en aurait peut-être... Même connu une, qui sait. Bye. Hey, cherche. Je cherche un coiffeur. Il a fermé il y a bien longtemps, monsieur. On doit aller à Flourtron, la forêt, maintenant. Et ça m'embête un peu, cette affaire. Moi, qu'aime me faire bonne impression. Il était où avant, ce coiffeur? Un peu plus loin, sur la grande rue. C'est une épicerie, maintenant. Vous me faites peur, monsieur. À la bonne heure. C'est une esprit... La boutique. Dites, ce magasin-là, c'est quoi le rapport avec l'histoire de Bullseye? Tout, monsieur. C'est un design élégant, épuré, ses pendentifs sont une révolution. Tout comme l'histoire de Bullseye. Bullseye se relèvera et quoi de mieux que de soutenir l'économie locale? Ah, c'est fabriqué ici? Non. Mais les minéraux viennent de la région. On atteste le collier en exposition. Matière, c'est quoi en quoi? C'est de la bullseye, monsieur. C'est le minéraux luminance de coupleur d'onde cérébrale. Il vous rend plus efficace dans vos tâches quotidiennes. Le seul produit dopant autorisé. Ah, un caillou qui brille, quoi. Le bullseye est un minéral étonnant, monsieur. C'est un zéolite s'alignant sur les ondes scalaires. Il écoute votre corps et ses besoins et réagit en conséquence. Vous êtes fatigué, il vous booste. Besoin de vous concentrer, vous calme et affûte vos perceptions. Il est un peu triste d'acheter le Xanax, ça lui remplira le vide qui vous range. Fabuleux, n'est-ce pas? Ah. Et quand on est chaleureux, il fait chialer? Quel humour. Combien voulez-vous? Non, je crois pas, ça. C'est authentique, catalyseur d'hormones, d'orgone en permanence sur le crâne, mon grand. Pas besoin de ces breloques. Et... J'aime bien les chevaliers, là. Je prends un paquet de notes. Je peux dire, vous avez lu? Les mecs sont pointés avec des torches et ils ont tout cramé. Un ving de mine, toutes ces hyper-métal. Je vais faire un exposé d'enfer pour l'école. Vas-y, ma belle, fais un exposé. Les prospérités prises soudainement fin à l'arrivée des ordres de sectaires conspirationnistes, l'ordre de la chouvinerie du groupe. Rallions les progressifs des bourgeois à leur idéaux. Un conflit éclata au sein du village. Chanceux. Bonjour monsieur, bienvenue à la mairie de Bouzac. Je vois que vous n'êtes pas notre pendentif local. Je ne serais trop vous conseiller vous en procurer. Le maire offre les aides financières si nécessaire, nous sponsorisons ce produit. Des offres que j'imagine exceptionnelles. Tout à fait, nous avons des plans de financement sur 50 ans et plus que tout le monde puisse bénéficier des extraordinaires bénéfices de ce pendentif. Vous pouvez plus payer, pas de problème. Nous taxerons les membres de votre famille les plus proches, tout est prévu. Je n'ai que ma poule. Ça ne devrait pas poser de problème, renseignez-vous sur la boutique à l'extérieur. Salut monsieur. Pour finir, les affrontements qui survirent furent terribles et débouchèrent sur la défaite de l'ordre. Néanmoins, ils entraînèrent aussi l'embarrassement des vignes et de la mine de charbon, plongeant Bouzac dans la récession économique. Cet épisode tragique fut rendu célèbre sous le nom de la guerre du raisin. Nos jours, ce musée se dresse pour célébrer la victoire du peuple bouzacois contre la folie conspirationnisme et rendre les vibrants hommages aux raisins perdus pendant la guerre de Bouzac. Eh ben, mon petit rebluchon, quelle histoire, Bok. On va aller voir le maire. Car une caillasse comme solution à tous mes problèmes. Quel timbré, pépette. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Alors, allez, on est toujours en mission en radium, mon chameau.
Ah, c'était ça. Non, la semaine dernière, j'étais encore à Bobinard en souche. Il y a quand même bien un responsable. Pardon de vous couper, mais j'ai une question. De vieux et de mort. Et où puis-je trouver du résidium? Résidium? Aucune idée. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue chez Judith Lazare, la boutique antique qui vous pique du fric. Je plaisante, je plaisante. Cherchez-vous quelque chose en particulier? Vous avez du résidium? Mais qu'est-ce que ce donc du métal rare? Oh, propriété insectifuge. Je regrette, je n'ai pas cet objet en ma possession. Mais j'ai un très beau service de vaisselle, saucière comprise, daté de Gantron 6. Seriez-vous intéressé? Une saucière, tu veux un chapeau pépette? Non, il ne semble pas bien convaincu. Revenez quand vous voulez, mon cher monsieur. Et petit, je pense à respirer, t'as pas l'air bien là. Peut-être un cas de fantomatisation lumique spontanée. Ne regarde pas Pépette, c'est une scène de crime. Il lève comme ça à terre. Mon repas. C'est certainement bien triste. Il commence à cuire sur le sol. C'est quoi ce bordel sous terre? Je n'ai pu m'empêcher de remarquer ce gigantesque brasier qui brûle sous le village. Vous êtes drôlement observateur. Ouais, ma pépette le pense aussi. Eh bien, puisqu'on peut rien vous cacher, on les appelle les cheminées de Boulzac. On raconte que ce feu brûle depuis plus de 300 ans, mais personne n'en connaît vraiment l'origine. Vous entendez sans doute beaucoup de rumeurs à ce sujet. Vous trouverez quelques informations sur l'histoire de Boulzac à la mairie. Mais en tout cas, le feu trouve bien utile ce feu. Une longue histoire. J'ai un œuf, si tu veux. Oh, merci, c'est inespéré. Mon voisin à palier disait que le renard généreux ne craint pas l'orage. En conséquence, voici ma carte de fidélité des 3 KGO. Elle est complète. Fort bien. C'est gentil, ça. Hey, t'es chez Caribou. Prends ta chaise, puis regarde-moi. La terreur, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir de t'en faire là. Oh, yeah! Bonjour Monsieur Auguste Bilandor, bijoutier de Boulzac. Vous êtes un nouveau voisin? Oui, on peut dire ça. Dites-vous qui faites dans le caillou du résidium, ça vous parle? Oh, une terre rare. Non, non, pas de la terre, un métal insectifuge très rare. Je ne vois pas, non, mais vous passez nous voir à l'occasion. Nous? Ouais, nous, vous aimez les chiens? Je vous présente mon chien, le plus beau de Boulzac, et de loin, ok. Il dort. Bonjour, vous ne savez pas où trouver du radium par hasard? J'ai entendu parler, mais quand on cherche quelque chose que personne ne connaît, en général, on demande à Marguerite, c'est la doyenne du village. Sa maison est à l'entrée de Boulzac. Ouais, je suis allé, j'ai vu un souci avec son chat. L'animal n'est pas des plus causants. Bon, on l'appelle l'éclair blanc dans le coin. Il est rapide, mais il n'a jamais attrapé la moindre lapin. Il vient de passer. Il a une pierre à la place du pif, un flair de ramoneur. C'est terrible. C'est sans doute lié à ce qu'il mange, si vous voulez ça tout savoir. Il refoule du museau. Ah, ça c'est bien que d'y penser, j'en ai tourné une haleine effroyable. Je sais que quelqu'un s'en occupe lorsque Marguerite s'absente. Je savais qui c'était. Et si je savais qui c'était, je lui en toucherais bien deux mots. Ah, vous savez pas que... Vous n'avez pas de pendentif, c'est dangereux par ici, vous savez. Et mon gland et Pépette n'aime pas trop ce machin. Pensez-y, vous pourrez finir comme ce gars qui pêche toute la journée pour le moindre des deux bouts. Mais non plus, il n'a pas de parenté. Et voilà où ça l'a amené. Salut, dites à l'entrée du village, il y a ce chat qui... Ah, vous l'avez vu l'éclair blanc de Boulzac? Ouais. Un bien grand mot. J'ai surtout bouffé de la poussière.
Et c'est Véloce qui ne laisse qu'une impression vague et éphémère, une traînée vaporeuse de lumière blanche. Et moi qui pensais voir trouble. Non, il est célèbre dans le village pour... vous savez, Monsieur Ban, il est le seul qui ait pu le voir de près. Il pourrait peut-être vous en dire plus. Vous le trouverez sans doute dans l'un des bancs du village. Il aime regarder passer les gens. Je cherche du résidium, du rasi quoi? C'est l'âme de la terre. Je vois un genre de taupe, c'est ça. C'est le vent qui souffle dans tes cheveux, l'eau qui ruisselle tes montagnes. Ouais, alors, les taupes, je suis pas expert, mais pour les cheveux, j'ai 2 ou 3 tuyaux. Personne ne connaît le rasium, je comprends pas. Je pourrais tenter une nouvelle fois avec l'artificiel du lac. Il faudrait que je lui trouve une petite chose à boire. Une petite partie n'a pas le temps de traîner, hélas. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Pas la peine de boire. Vraiment, les mouchillons sont revenus. Mi-mouche, mi-lion, les infâmes bestioles ravagent mon terrain. Il me faut du résidium. Mouchillon, résidium, en effet, t'as sans doute assez bu. Toutes mes courges détruites. Le coup fatal. Anéanti. Oui, la fatalité, hein, oui. Ouais. Puis tu sais ce qu'on dit, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Dis-moi, tu serais pas acteur des fois parce que Broadway n'est plus très loin. Ah oui, pardon, j'écoutais pas, je pense à autre chose. Tu vois, quand je fais briller ces verres, c'est une flopée de souvenirs que je vois dans les reflets. Les courges? Non, non, mais tu vois, avant, je faisais jaillir les étincelles dans les yeux des clients pour poser un bonheur dans un verre. Jus de courge? Fatigue. Et je vous sers. Une bouse aquoise. Une bouse aquoise. Hélas, une énergumène ensoiffée m'a déjà sifflé un stock de la semaine. Pour la rationner, la bouse aquoise n'est que les habitués pour le moment, mais je serai bientôt livré, n'en faites pas. Je suis désolé, on a encore des problèmes en dos. C'est foutu, c'est la troisième fois de mois-ci, du coup, je ne vends que des bouteilles en eau. Je prends, voilà pour toi. Bien sûr, appelle-moi Jean. Éclair blanc de bullseye, vous savez quelque chose? Ah, le petit Carlos, ouais, je le connais bien. Il arrive que Margaret me demande de nourrir lorsqu'elle s'absente. Il faudrait que je parle à ma sœur Margaret. Aucune idée de comment attraper ce chat. Je préfère sans être médaillé aux Olympiques. Ah, il n'est pas facile, hein. Écoute, je peux sans doute t'aider un peu. Margaret m'a laissé des instructions claires. Je voudrais lui déposer un petit verre de quelque chose tous les jours. Il s'est habitué à quelque... Tu me disais, sinon il dort pas bien. Quelque chose à boire, donc? Ouais, mais ce n'est pas tout. Moi, j'aime bien les bêtes, tu vois, du coup, j'y ajoute une petite note personnelle. Un truc costaud qui prend la truffe. C'est bon. Spécial jambon. Il adore ça. Attention, gamin. Margaret a veillé à l'éducation de son chat. Carlos, c'est un esthète. Tu comptes l'approcher avec le verre, il faut faire des choses bien. Et bien, c'est-à-dire, il est un peu snob. Même pour un chat, il faut que ça soit joli, bien présenté, sinon il n'en veut pas. Joli verre, donc oui, il faut faire preuve d'élégance. Très bien, je vois qu'on tourne autour de mon champ lexical. Je cherche de Carlos, hein, n'oublie pas. Trouve-lui un verre soignant en apparence et fais en sorte qu'il dégage un effroyable fumée. Séduis la truffe et tu pourrais l'approcher. Allez, femme, madame, bienvenue chez nous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi, niveau courge, vous êtes équipé? Oh non, c'est très rare, vous savez. Ah oui, je sais que trop bien. Ouais, il est très affiné, c'est vrai. Ce niveau, c'est plus que de l'affinage, madame, c'est de l'embaumement. Certains aiment, vous savez. Par exemple, j'ai une clientèle, elle se partage avec son chat. Margaret, justement. Salut, Kirito.
C'est après ça qu'il me suit du regard. C'est quoi cette puanteur dans la vitrine? On m'a donné cette carte. Oh, terminé, vous avez le droit à un cadeau. La voici, un magnifique monster vieux. Je vous laisse vous servir. J'ai pris du fromage. Mais non, pas vraiment, il a dû partir précipitamment, mais il est un peu fou, vous savez. Il limite la paranoïa. Il nous disait d'observer constamment. Mais maudit, moi je dis qu'il ne supportait pas l'air et de la campagne, voyez-vous. On n'est pas tous faits pour ça. Ouais, je vois le genre de gars apporter des trucs de drôles. Monsieur! Toujours à la recherche de Carlos. Trouve-lui un verre soignant. Ah. Tiens, elle se fait cuire un œuf. Et pourquoi la perche de 8 mètres? Ben, pour pas cuire de loin, pardi. Mais je travaille sur un modèle télescopique. Ils arrivent. Toc toc. Toc toc toc. Laisse-moi tranquille, je le redis, je n'ai pas besoin de panier de bananes. Fous le camp! Ah bah. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein! Bonjour, monsieur. Oh, Marguerite. J'ai plein de surprises. La 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 la. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein! Super plaisir de t'en faire. Oh yeah, Wishcat. Bonjour monsieur. Ça va quoi? Pointif répond à tous les besoins. Je vais tout de suite lui ça. Rien que ça. Pointif tombe de leur carte assez héroïque. Regarde mon faucon, il a l'histoire du village. Depuis la fin du 11e siècle, Ozak jouissait d'une situation économique et sociale stable. D'abord enrichi par son activité minière. Elle atteignit son apogée par son vin et trésor local de la bourse aquoise. J'ai lu le reste déjà. Étrange, on dirait ce petit bonhomme sur la grande rue. Mais cette photo a 50 ans. Fatal, t'es là? J'aimerais voir le maire si possible. Ah, je suis désolé, mais le maire est absent pour le moment. Pauvre Carlos, une haleine qui découpe de la tôle. Il doit bien y avoir un responsable. Hey, t'as pas de pendentif, c'est la loose. Par contre, je suis plutôt fan du casque spatial. Salut, moi aussi. Ouais, petit, mais uniquement quand mes ondes cérébrales sont dopées par l'organe. Oh. J'ai envie de gerber.
On mange quoi ce soir? Je sais pas, je peux faire une tarte raisin-pomme. J'ai entendu Razidium. Raisin-pomme. Alors, déjà pour... déjà bonjour et ensuite... Non, raisin-pomme. Oh. Il est déçu là, non? Même le poulet est déçu. Vous avez regardé le match? Vous avez perdu de peu. Oh non, je vais devoir éviter le croisé Milo. Pendant au moins 8 jours. Ah, tu as parié sur les résultats? Non, non, il est juste insupportable quand il a raison. Je passe me voir plus tard, je finis d'écrire quelques textes. Je promets une foudre poétique. Si même j'ai vaincu la menace rebelle par le peuple bourcatois, puisse cette statue honorer le lieu sacré et en préserver la mémoire. Le prix des denrées de première nécessité continue de grimper, mais pain, œufs et boursaquoise. Pour vers la vie du poulon de... Bon, c'est fermé, puis pas d'autres poulets par là. Salut, je... Tu vas bien? Parler de Jamban. Ah, je viens de parler à ce gars sur le banc, monsieur Jamban. Ah ouais, je vois le bonhomme. J'ai besoin de parler à cette femme à l'entrée du village. Il me propose d'apporter un verre. Mais pourquoi pas, ça donne du cœur à l'ouvrage, mais sinon, des fleurs. Élégant le verre, le gars me dit de quoi je visais, mais le raffinement, un spectacle pour les yeux, un truc d'intingué, quoi. Distingué, ah oui, ça fait du sens, mais je ne fais plus ça dans le distingué depuis 15 ans, mon vieux. 15 ans, donc avant. Oui, tout cela est bien loin, mais je le reconnais. À l'époque, j'étais un fervent défenseur de l'art sacré depuis que défie et surpasse tous les autres. Le seul dont même les mythes ne pouvaient en effleurer la beauté. Je parle de l'art, ça va très bien, mon job. Des fléchettes, du cocktail, coquetelette, du coltail, bon sang, de la grande alchimie, un graal et un sens propre. Le fils d'un souffleur de verre, du Dionysos et une plage de sable d'or. Je te parle de mélange parfait, détrônant même le nectar des dieux, l'art absolu. Ah ouais, parfois ça me manque, écoute. Je te fais gratos un souvenir de l'époque. Mais n'en parle pas trop aux autres. Tu sais, ici, je me ferai charrier. Qu'est-ce que tu veux, Nestor Ménard dit. Le touilleur t'écoute. Je pense que du bien d'un truc. Au bordel, ça pas... T'as pas mieux, toi. Au bord... il me faudrait un dernier truc. Faudrait un ingrédient en plus, la partie animale de l'œuvre. À propos de la demande exotique du neuf, je vous demande que du... Je tiens un truc. Ah bordel, ça va pas mieux que toi, bon œuf. Il me faudrait un dernier truc. Il me faudrait un ingrédient en plus, la portée animale de l'œuf. Non. Salut madame. Je vais à la recherche de Carlos, mais pas trouve lui un verre. Ouais, ça je sais. C'est bon. On s'achète un pendentif. C'est bon. Demain. Ah.
entendre parler de toi, cette chose, et croyez-moi, du métal précieux, j'en suis un cadavre. Parti, non, pas le temps de niaiser. Salut, Jup. Oh, on change d'avis pour la sorcière? Non. Revenez quand vous voulez, cher monsieur. Le problème de sport, c'est que je décède de crève de soif. Oui, surtout le sport physique comme ça, attention à la surchauffette, pas de danger, je suis quelqu'un de démesuré. Et je vois ça, je suis à la pêche, c'est bien, c'est relaxant. Tu vois, tout était dans le mouvement du bras, il faut de la grâce, de l'harmonie dans le geste. C'est important pour le bouquet final au milieu du lac. En somme, c'est un genre de méditation en quelque sorte, oui, et qu'est-ce que ça se... Bref, que j'ai soif. Choper quelques morceaux, mais pas pas le bel animal, tu vois, c'est rien entier, c'est un problème de l'explosif, ça disperse. Je suis pas un peu fier de cette tête de cendre. Si t'as toujours soif, j'ai un peu d'eau. Alors le geste est chevaleresque, c'est un fait. J'ai entièrement l'entièreté du Sahara dans le gosier et je sais reconnaître un seigneur quand j'en vois un. C'est de l'eau, la soif, c'est du sérieux et on a même qu'un sang mort. Ah, et pourtant, c'est bien la meilleure eau quand on fait le meilleur whisky. Ah ouais? T'es un peu curieux, toi, non? Le village, il t'en dit quoi sur ton Residium? Rien. La foi scandinave, pas le moindre indice. Ouais, dès que tu discutes d'un sujet un peu pointu, comme la chasse du sanglier à coups de parpufle, il n'y a plus personne. Allez, balance-moi cette saloperie et on ne retrouve plus Nestor. Tu racontes ton histoire. Ah ouais, voilà la brigade du style. Alors, t'en penses quoi de ma technique de pêche? Juste encore entre la Léonade et l'Exploléon. Exploléon, la limonade, ça fait un peu limonade, non? C'est pas faux ce que tu me dis. Dans un autre côté, quand ça explose, ça fait bien des bulles. Mais pourquoi pas? Bien, on va causer poisson de rivière. Et Nestor, deux beaux agoises. Avec l'ardoise que t'as, et tu vas payer avec quoi? Eh bien, figure-toi que j'ai ici un magnifique tête de sangle. T'arrêtes tout de suite, j'en veux plus ta posca et je me paye ton ardoise et après on discutera pinard. Oh. Bon, pour que ça soit, on est marrant. Nestor, c'est pas dans un bonjour. On est marrant pour boire à l'œil. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Ah bordel, ça va pas mieux, ben faudrait un dernier truc. Eh, hey, ça me passe plutôt bien pour moi, mais je doute sur le dernier pli. Bernard pourrait relancer la balance, t'irais pas voir son jeu des fois pour me le dire. Pourquoi pas, ça abrégerait la partie. Je compte sur toi, œil de lynx. Écoute, mon grand, j'ai deux passions dans la vie, les bijoux et les monster trucks. Et malheureusement, ça ne me dit rien de plus. 2-2.
Astor, c'est pas dans un bon jour. J'ai pas encore regardé. Fais gaffe, il est blindé. Il a rien, t'es un bouvlard. Parfait, je compte sur toi. Hein. Tapis. Quelle journée, je suis content. Tiens, je te paye un coup de ton aide. Nestor, sors un rouge pour mon nouvel ami. Ça roule, mais c'est pas la peine de gueuler. Voilà, champion, ton verre est au comptoir. Ça, c'est pour la madame au fond. Écoute, mon grand, j'ai deux passions dans la vie. Les bijoux et le monster truck. Regarde un peu ce que j'ai gagné. T'es doué, toi. C'est donc ça, la fameuse bozakwa. C'est le vin du coin. C'est pas ce qu'on appelle un vin léger, mais le bon côté, c'est qu'il peut servir pour décaper les ours. Il y a du vigne à Bulzac. Non, en vérité, le vin vient du village à côté. Il y a bien longtemps, Bulzac était réputé pour son vin et la bozakwa était célèbre. Mais c'est du passé maintenant. Les gens ont gardé le nom par fierté. Qu'est-ce qui s'est passé? Une vieille histoire de genre de secte causée par des mal des dégâts de l'époque, mais... Genre loin, je parle Moyen-Âge, tu vois, j'en sais pas bien plus, mais il y a quelques infos à la mairie. Mais parlant business, tu veux bien? Je t'échange ton verre contre une exceptionnelle tête de sang, et presque entièrement en plus. Deal? Ah ouais, quelques coups de bois, j'en avais pris justement plus de tête de sang. Et ben voici! Merci, ce vin n'a jamais vraiment la même saveur, mais il y a toujours ce petit goût de terre. À savoir pourquoi. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Vas-y, monte. Ah ah! Non, mais là, je vais perdre ma licence, c'est pas possible, plante-moi ça. Qu'est-ce que t'as foutu de pas les parer, mon gars? J'en ai vu des champions, mais là, tu frôles l'Olympe. Me flinguer avec ça, sérieusement, pense aux fleurs. Non, non, les villageois sont formels. Carlos a des goûts particuliers, Carlos. Ah, parce que vous êtes trois. Non, mais je veux pas le savoir, en fait. Bon, je vais mixer cette tête de sang avec ton morceau de fromaton, déjà. Ensuite, je vais presser la chaussette pour récupérer son jus. Oh, mon Dieu, je vais y rester. Et je vais finir par râper la croûte du fromage pour le dessus et j'y mets un petit ombré sous le style et on sera pas top. Permets-moi de jamais m'offrir un verre. Magnifique. Merci mon ami. C'est magnifique. Salut mon Matt, comment tu vas? Ah ouais, je vois que tu as trouvé un joli cocktail. Est-ce que ce petit parasol, il va adorer? Il a intérêt. Ça va merveilleusement bien. Un excellent jeu. Tapis Chimera, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon ami. Un super plaisir de t'en faire. Oh yeah. Problème, là, je suis pas certain comment je vais faire pour aujourd'hui. Edgar Bookbook à Bouzac. On continuera demain.